Glisse sans trêve sur l'eau de Satan.
quel rêve, vers quel incertain du destin. Nos pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. Alors, il paraît que comme ça, vous faites du théâtre, là. Hein. Explique-moi, Gauthier. On joue dans une pièce de théâtre avec des professionnels que la pièce s'appelle L'Atelier, oui. De Jean-Claude Gramberg. Mmh. On joue avec la troupe Éclat de scène. C'était à Rasto, je crois. Hein. Oui, c'était à Rasto le 25 oui. janvier. Mmh. Ah, explique-moi un peu ce rôle-là. Il est important et... Pas trop, parce que... Comme on a un petit rôle, c'est déjà bien quand même. Ouais. La scène elle dure 2 heures, on attend 5 minutes à la fin, bon, on attend beaucoup. Oui, mais c'est quand même plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et à Mondragon, donc, c'est pas le même qui joue, hein? Non, oui, c'est moi. Ça va être le 26 avril. Ouais, 26 avril. Et c'est mieux qu'à Mondragon, là? Ah oui, beaucoup mieux. Parce qu'avec les professionnels, la mise en scène n'est pas du tout pareil. Il y a plus de travail. Oui, voilà. Ça dure plus longtemps. Ouais. Le texte, il faut mieux le savoir. Il faut savoir ne pas oublier la mise en scène, tout ce qu'on doit faire, le metteur en scène, tout ce qu'il nous dit et tout. C'est très important. Et vous envisagez de continuer à l'occasion? Oui. C'est la première expérience, c'est sûr que c'est bien. On découvre un peu le travail des professionnels. Et à la fin, vous direz Alléluia. Alors là, je dirai les deux mains en haut, ce sera Alléluia. Je vais vous conter l'histoire d'un ermite. Ce n'est pas une légende, un mythe. Je la tiens de mon grand-papa. Alléluia. Ce brave ermite vivait en sauvage au creux d'un rocher près d'une plage. Qui fait qu'il n'avait pas de loyer. Alléluia. Un jour sur les bords de la mer, sur le bord de la mer glauque, il s'est brouillé plus heureux qu'un phoque. Quand sur la rive, il reste à baba. Alléluia. Il se trouvait devant 2 demoiselles qui du coin de leurs 4 yeux de gazelle le reluquaient d'un air égayé. Alléluia. Alors l'ermite, au pudeur superbe, ramassa son grand chapeau sur l'herbe et avec cacha ce qu'il put. Alléluia. Mais tout à coup, voilà qu'un gros moustique se pose sur sa main et le pique et le force à lâcher le chapeau. Alléluia. L'ermite aussi blanc qu'une faïence manqua de tomber en défaillance à la pensée d'être vu tout nu. Alléluia. Mais pour qu'on ne vit point pareil spectacle,
Le bon Dieu fit un merveilleux miracle, car le chapeau ne tomba pas. Alléluia. Thank you.